condamné. Que ce simple mot résonne fort. Aussitôt, angoisse et destruction. Et voilà, l'irréparable est dit. Jésus est condamné à mort. Toi, la lumière et la vérité, tu fus condamné à mort à 10h du matin. Sans appel, après les injures, les coups. Tu ne fus pas le vengeur glorieux d'Israël, mais le servant de tous les peuples. Regardez cet homme qui porte cette croix, si lourde pour lui qu'il est prêt à s'effondrer à chaque pas. Sa couronne d'épines sur la tête et sa cape rouge traînant par terre. Jésus porte cette croix, comme nous portons nos péchés. Flagellé devant son peuple qu'il a tant aimé, qui le trahit, qui l'insulte, qui lui crache au visage. Jésus porte sa croix pour nous. Après les moqueries, les rires gras, les injures et d'autres, Jésus tombe sans souffle. Ses forces s'envolent de tout ce sang déjà perdu. Les genoux, les coudes, la face sont râpés par les pierres du chemin. Il est écrasé. Mais il se relève pour continuer son périple. Marie, tu as porté Jésus contre ton cœur. Tu as vu cet enfant merveilleux s'épanouir, grandir. Marie, tu l'auras suivi jusqu'à son dernier souffle de vie. Ton fils, chair de ta chair, est là, plein de sang. Toi qui l'as suivi dans son chemin triomphal, tu le suis à présent dans la souffrance, dans ses derniers moments. Tes larmes, Marie, ruissellent sur ton beau visage saint. En silence, tu vois partir ton fils. Un glaive te transperce le cœur. Jésus, ton enfant, était venu tendre son cœur aux hommes. Il leur offrait l'amour de son Père, l'amour de Dieu. Mais la bêtise, la peur des hommes, le mènent à la mort comme un criminel. Un enfant pris à sa mère. Une mère insultée, brimée, humiliée, à la souffrance encore augmentée. Ô Marie, combien le monde a dû te paraître cruel pour envoyer ainsi ton enfant au gibet.
À travers Simon de Cyrène, nous pouvons penser à tous ceux et celles qui ont aidé et soutenu Jésus sur sa route vers le calvaire. Jésus, humblement, a voulu être aidé. Parfois, nous sommes tentés de nous enfermer par orgueil dans nos difficultés. Au lieu de demander et d'accepter simplement un coup de pouce, une écoute, une présence. Nous avons souvent fait l'expérience d'aimer et d'être aimé, qui nous redonne goût à la vie. Seigneur, toi qui es près de ceux qui peinent, donne-nous de savoir reconnaître ta présence. Dans la vie de tous les jours, dans les événements qui nous dérangent, dans les personnes qui nous demandent de l'aide, apprends-nous à accepter simplement toutes les marques d'amour que l'on nous offre et à savoir en donner à notre tour. Il est là, suant, peinant, ensanglanté par les coups de fouet qui pleuvent, lacérant son corps, pliant sous le poids de la croix de bois. Brimades, insultes, jets de pierre. Ces hommes qui veulent ta mort ont eu peur. Peur de perdre leur pouvoir, peur de toi qui fais des miracles. Ton amour, ils n'y ont pas cru. Portant le poids de nos péchés, tu pensais être seul. Mais, sortant de la foule, une femme, Véronique, n'écoutant que son cœur, par un élan d'amour, faisant fi des soldats, des teigneux, des mécréants, Véronique essuya ton beau visage défiguré. Tu chancelles vers ce linge blanc, toi que l'on traite comme un criminel. Ton seul tort fut celui de nous aimer. Oh oui, Jésus, tant que des femmes comme Véronique auront cette âme, ce monde aura une chance d'être sauvé. Dieu, où est ta gloire? Où est ta puissance? Ton fils est à terre et tu ne fais rien. C'est un scandale. Ton fils, c'est toi. En Jésus, c'est toi, Dieu, qui accepte l'écroulement sous le poids de la croix. Dieu, tu es victime en ton agneau immolé. Le roi de gloire est à terre. Il a permis que sa puissance s'écroule. Le Créateur s'offre lui-même en sacrifice. Seigneur, dans ta détresse, tu sais encore reconnaître la détresse des autres. Dans ta souffrance, tu as encore souci de la souffrance des autres. Et toi,
lumière du monde, tu cherches encore à éclairer le cœur de ceux qui sont en peine. Rien n'arrête ton amour. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Ton amour est plus fort que tout. Ça ne finira donc pas, cette horreur. Deux fois, c'était déjà beaucoup, non? Ça ne suffisait pas. Ça veut dire quoi, ces trois chutes? Le chiffre 3, c'est la totalité, l'accomplissement. La triple chute, comme image du total abaissement du Christ. Personne n'a été plus bas que lui. Il s'enfouit dans la terre, à force de tomber. En Christ, Dieu trinitaire, c'est aussi le Dieu trinitaire qui accepte l'humiliation. Le Père et le Fils sont terrassés par le poids de la croix mise par l'homme sur les épaules du Fils. Quand le Fils tombe, il tombe à trois. Ils sont inséparables. Rien ne te sera épargné, y compris ta nudité que la soldatesque expose à la foule. Non seulement on t'a fouetté, couronné d'épines, forcé à porter la croix sur laquelle on s'apprête à te clouer, mais on en rajoute encore. On veut te montrer nu. Humiliation suprême, où l'on exhibe ton suprême dépouillement. Place, on aurait honte. Et c'est toute une honte que tu viens habiter dans ta nudité. Dans cet abus que tu subis, tu habites tous nos abus. Tu rejoins toutes les victimes à qui tu peux dire « À moi aussi, on m'a fait ça. Je suis avec toi. Pardon, Seigneur, pour tous les abus que j'ai commis. Toutes les humiliations que j'ai infligées aux autres. Recouvre aussi ma nudité du manteau de ta miséricorde. C'est une honte. Jamais on ne ferait ça de nos jours. Quel sauvage! Parce que vous trouvez que ça a changé? Vous trouvez qu'on fait mieux? Les millions de victimes du communisme, du nazisme, l'Holocauste, vous vous en souvenez? Ce n'est pas si vieux. Et quid des centaines de millions de fœtus arrachés au ventre de leur mère et jetés à la poubelle ces 20 dernières années? Aujourd'hui, Jésus est crucifié. Et moi, toutes mes petites saloperies, et puis toutes mes omissions, tout ce que je n'ai pas fait aux autres et dont ils avaient tant besoin. Aujourd'hui, Jésus, je te crucifie. Pour qui? Pourquoi Jésus est mort? Il pardonne à ceux qui lui ont fait du mal, à coups de marteau, enfoncement des chairs dans sa chair, déchirant son cerveau et son âme dans des douleurs irradiantes. Tu meurs, mais tu seras toujours en vie pour ceux qui croient en toi. Ici repose ton cœur en paix, mon enfant. Ma crainte et ma souffrance t'accompagneront dans ta souffrance, te donnant de la joie, mon fils.
car sur la croix, j'ai vaincu la haine et la mort. Donne-moi ton cri d'angoisse. Tu n'as qu'à te souvenir de moi, et la vie en ma présence t'appartiendra. Ouf, c'est fini. Il est mort et détaché de cet horrible instrument de torture. C'est toujours éprouvant de suivre un chemin de croix. C'est bientôt la fin et on va pouvoir penser à autre chose. On va pouvoir retourner à nos petites affaires. Mais aussi à nos soucis, à nos emmerdes. Maintenant, nous le savons bien. Il est non seulement détaché de la croix, mais surtout, il est ressuscité. Et les crucifiés d'aujourd'hui, c'est nous. Sur les croix de nos colères, de nos envies, de nos maladies et de nos haines. Détaché de sa croix, enseveli. Ressuscité le troisième jour, il est libre aujourd'hui, comme il l'a promis. D'être avec chacun d'entre nous, chaque jour, pour nous déclouer des croix de nos péchés. Il est expert, lui, qui n'a pas connu le péché, mais qui a porté toutes nos croix. Seigneur, décloué, décloue-moi. Libère-moi de mon péché, de tous mes attachements crucifiants au mal, de tous les liens qui retiennent ma liberté d'aimer, comme tu le voulais quand tu m'as créé. Ils le descendirent de la croix pour le déposer là, dans son sépulcre, recouvert de son linceul taché de sang, preuve d'une terrible agonie. Oh, vous, incrédules, croyez, car le Christ que vous pensez mort, en fait, dans 3 jours, ressuscitera, conformément aux prophéties. Et nous pourrons dire que le Christ est ressuscité et proclamé « Ô mort, où est ta victoire ?» À l'exception de Marie, personne n'avait rien compris. Mort sur une croix, Jésus est relevé dans sa chair. Il est vivant. On le voit, on l'entend, il mange et il boit. Il est vivant. Et ce sera pareil pour nous. En attendant, il n'y a pas grand-chose qui a changé. La vie continue depuis plus de 2000 ans. Et on ne peut pas vraiment dire que ça s'améliore. Même l'Église a ses scandales. N'empêche qu'il est vivant, et que ma chair va ressusciter comme la sienne. Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'ai envie de ressusciter? Si j'en ai envie, il faut que ça commence maintenant. C'est trop beau de voir Dieu sans arrêt, d'être dans la splendeur de la vérité non-stop. Si je veux que ça commence maintenant, il faut que j'aime. Si je veux aimer, il faut que je pardonne. Au fond, si ça ne marche pas mieux depuis Jésus, ce n'est peut-être pas de la faute de Dieu, mais de celle des hommes.
Ils n'ont peut-être pas envie de ressusciter, pas envie d'aimer, pas envie de pardonner. Et si on essayait? Il y a quand même eu des saints, comme on les appelle. Des hommes et des femmes qui ont rayonné la bonté. Tiens, Mère Teresa, par exemple. Si on essayait de faire comme eux.